David Fabry, bonjour. Bonjour à tous. Comment est-ce que vous êtes devenu dessinateur de Star Wars? C'est une histoire qui arrive dans les 96, parce que je suis parti à travailler avec Dark Horse. Oui. Pour une autre série de science-fiction qui s'appelle Starship Trooper. Ah bah oui. La novelisation des films de Paul Verhoeven. Oui. Et après d'autres années de travail sur Starship Trooper et un an de travail sur Xena, mon éditeur m'a proposé de travailler sur Star Wars. Et voilà. Je suis un fan de Star Wars dans les 77, dans les premières années que s'est sorti le film. Et il m'a demandé de dessiner sur cette histoire et j'ai travaillé avec très plaisir. Donc vous étiez un fan de Star Wars à la base? Oui, oui, absolument. Je rappelle d'appétit. À 13 ans, je regardais les films et pour beaucoup de temps, je dessinais tous les personnages possibles et je n'ai pas imaginé que après 20 ans ou plus, je suis allé à faire les BD de Star Wars. C'est bizarre, mais c'est très divertissant. Et c'est quoi votre personnage préféré? Le personnage préféré, pour moi, c'est Yann Solo, naturellement. Oui. Mais c'est le plus terrible à dessiner. Oui. Absolument. Parce qu'il a raison forte, il a le visage qui n'est pas régulière, n'est pas symétrique. Oui. Et il y a beaucoup de dessinateurs qui vont prouver à dessiner Yann Solo, naturellement. Mais le meilleur en absolu, c'est Adam Hughes, qui c'est parfait. D'accord. Ah, oui. Et vous êtes fan de cinéma? Des cinémas, de tous les cinémas. Ouais. Oui, oui, absolument. Parce que vous avez dessiné Aliens aussi, oui, en bande dessinée. Oui, oui, j'aime toute la science-fiction en général, mais le cinéma, tous les grands directeurs de l'histoire, de John Ford, Alfred Hitchcock, oui. À Truffaut. J'aime Luc Besson, que je rappelle encore. Hier soir, j'ai regardé un hôtel Nikita, encore Oui. Et tu, Sergio Leone, j'aime beaucoup, Sam Peckinpah, sont tous directeurs que j'aime beaucoup. Et en fait, vous reprenez les grandes séries du cinéma, vu que vous avez fait Aliens, vous avez fait Star Wars. Oui. Est-ce qu'un jour, vous voulez faire du storyboard, c'est-à-dire une fois dessiner un film? Naturellement, c'est une chose, j'aime beaucoup le cinéma et c'est une chose que je pense que tous les dessinateurs de BD, ils ont la tentation de faire cette chose. Mmh. C'est voir que c'est nécessaire travailler. Pour tout le temps que j'ai travaillé avec les États-Unis ou pour la France, j'ai travaillé dans la même maison. Oui. J'ai la famille, c'est nécessaire. Si tu vas faire le storyboard, c'est le plus facile d'aller à Los Angeles ou à d'autres places où il va faire le cinéma directement. Mm-hmm. Et c'est un peu compliqué. Oui. Mais c'est un petit désir que j'ai, mais je ne sais pas si c'est réalisable. Et si je ne me trompe pas, vous avez travaillé aussi sur Batman? Oui, j'ai dessiné. Non, seulement les super-héros que j'ai dessinés, c'est seulement Batman. Oui. J'ai fait le travail de Batman. Après deux tomes que j'ai fait pour DC Comics. Oui. Batman, c'est le personnage que je préfère de les super-héros. Oui. Je préfère à ce point parce qu'il n'a pas de super-pouvoir. La même de Punisher, oui. pour parler. Ou Black Widow, si possible. Oui. Il n'a pas de super-pouvoir. Et je préfère. Je ne suis pas un fan. Très grande des super-héros, c'est voir qu'en ce moment, tous les grands films d'Hollywood qui font beaucoup d'argent, ils dérivent de l'histoire de comics. Et je suis allé presque tous les films de super-héros. En ce moment, j'aime surtout Batman comme personnage de super-héros. Et c'est vous qui avez travaillé aussi sur une série de bandes dessinées sur le débarquement de Normandie? Oui. Alors justement, parce que c'était. Notre,
grande passion, c'est l'histoire pour moi. Ouais. L'histoire et encore le cinéma de guerre, parce que je vais penser à Saving Private Ryan ou les autres films de guerre, ou les séries TV comme Band of Brothers et les autres, sont de grandes inspirations parce qu'il y a porté une nouvelle conception des films de guerre, très réalistique et beaucoup très documenté. Donc c'est pour la série Opération Overlord. Oui, c'est ça. Nous avons travaillé, nous avons travaillé parce que nous sommes des personnes, des amis qui ont travaillé dans la même série. Oui. Et nous avons essayé de porter la conception de réalisme et de documentation plus possible accurée. Oui. Et maintenant, vous êtes sur un nouveau projet ou bien vous continuez toujours En ce moment, je suis à travail pour le sixième tome d'Opération Overlord. Et pour les prochains six mois, j'ai à travailler sur le dernier tome que j'avais fait dans les crayons, les couleurs, parce que j'aime beaucoup colorer avec l'aquarelle. Et ce projet, il va c'est nécessaire de travailler plus 5-6 mois et je ne vais absolument pas chercher d'autre travail parce que j'ai déjà terminé la série. Et après, j'ai contacté, j'ai mis avec le marché américain, avec les éditeurs américains et les Français. J'ai déjà décidé. La vie, c'est retourner faire des comics américains ou continuer sur les BD. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à toi, beaucoup. Merci à vous. Merci.